Dans notre série des conférences anatomiques appliquées, nous étudierons ce soir un autre mammifère, l'homme. Voici un homme en pleine possession de ses moyens, surpris au réveil, c'est-à-dire inoffensif. La semaine dernière, je vous ai ennuyé en m'étendant sur un sujet scabreux, la femme. Ah, c'était pas ennuyé, la non, femme. Non, mais mon ami, je suis amusé, vous n'êtes pas là pour... Je vais y aller. Non, mais taisez-vous. La semaine prochaine, je vous parlerai du lapin. Oh, le... Alors, voici devant vous un homme, un bipède, un très beau spécimen de vulgaris homo, ou masculo simplex. Voici sa poitrine. Et à ce propos, je vais vous faire remarquer une nuance subtile. On dit un homme a de la poitrine quand il fait de la cellulite navrante. Mais pour une femme, quand on dit elle a de la poitrine, il s'agit là d'une provocation exultatoire. Nuance. Voici le ventre ou abdomen. Le foie, le gros intestin, suivi de l'intestin grêle, serpentinesse. Ça c'est tout. Petite diversion nerveuse. Étudions à l'insu du sujet. Ah oui, pas l'insu. Une réaction burlesque, le réflexe. Regardez bien. Rien. Bon. Passons à l'étude des cinq sens. La vue. Voyez-vous ce que je vois? Louis. Hein? Louis. L'odorat. Oh mon Dieu, oh petit bonhomme. Oh mon Dieu, oh non, pas de... Le goût. Le toucher. Donnez-moi votre main. Oh, voici une main. Sale, elle est sale. Il n'y avait plus de savonnette. Ah bah oui, mais c'est pas une raison. Eh bien, faisons avec cette main une petite diversion nerveuse et étudions à l'insu du sujet. Non, mais moi, à l'insu du sujet. Je vais faire l'insu. Une réaction burlesque, le réflexe, regardez bien. Passons à la peau. Deux rôles. Un rôle affectif, on dit jeter dans la peau. Oh! Et un rôle respiratoire, surtout pour les marins, à cause des pores. C'est rien contre. Pour les marins dans la médecine. Qu'est-ce que je tiens là? Oh! Eh bien, c'est un air moteur. Et enfin, un air sensitif. Moi, je vous dis. Vous voyez que ces muscles ont propriété de se raccourcir et de se contracter. L'homme est tout articulé sur des gonds comme une porte. Il s'agit comme un pantin. Comme une porte de pantin. Vous aimez à rire dans la médecine, hein? Oui, mais entre nous. Bon. Alors, je vais profiter de ces articulations pour faire une petite diversion nerveuse, une réaction burlesque. Le réflexe, regardez bien. Bien, bon. Eh bien, ma, qu'est-ce que c'est que ça? Ce bourrelage charnu, hein? Eh bien, c'est une bouche. Et à quoi cela sert-il? À boire, à goûter. Et à s'exprimer. Bon, et bien maintenant faisons l'expérience unique de la naissance supposée des premières lettres voyelles de l'alphabet prononcées par le premier homme causant sur la terre. Première vision de la beauté du monde. Le A était né. Première vision de la première femme un peu sexy. Le O était né. Première explication à donner à la première femme d'écaparer la seconde femme dans la vie du premier homme. Le E était né. À cause de ces deux femmes, l'homme pleure pour la première fois. Le I était né. Et enfin, l'homme découvre le cheval. A-E-I-O-U. Réaction burlesque, le réflexe. Et bien les voyelles étaient. Il ne restait plus qu'à découvrir les consonnes. Et voyelles et consonnes allaient plus tard se réunir pour former cette nouvelle réussite de l'homme dans l'expression. Le mot. Réflexe.